gens ils vont pas. Tu peux attaquer sur le premier boss déjà. Putain, déjà. Déjà ça va vite. Et attention. J'ai même pas temps de parler. Ouais, ouais, le premier boss c'est. Killer Mousse. Ouais, trop tard, on passe à autre chose. Mais pause. Ensuite, il y a une anecdote. Oui. Qui est intéressante, c'est que la première couverture de Batman. Oui. Et bah, ils se sont inspirés de la première couverture de Superman pour la faire. Ah, ils se sont pas fait chier. Bah, ils se sont pas fait chier parce que, comme ils disent, l'imitation c'est la forme la plus sincère de flatterie. Donc, l'imitation c'est la forme la plus sincère de la flatterie. Alors, ça. Ouais. Si ça c'est pas il a un mode signal, il a une mode mobile, il a une mode cave. Voilà, comme Batman mais en version anti-Batman. Il a une mode de foin. Et donc comme il n'arrivait pas à battre Batman, il a vendu Il n'arrive pas à battre Batman. C'est beau. Et cette ville de Gotham a obtenu son nom par rapport à l'ancien anglais Goat, G-O-A-T, qui s'est transformé en Goat, qui veut dire chèvre. Et Ham, en fait, qui vient de l'ancien anglais House, qui vient pas de jambon. Hein. Ham, c'est jambon. Il vient de House. Et en fait, c'est la maison des chèvres, en fait. C'est la Terre 3. Et d'ailleurs, le héros, c'est Lex Luthor. Voilà. Et il y a un seul héros sur cette Terre, c'est Lex Luthor. Voilà. Il a une super armure à l'Iron Man pour voler et tout. Et il est marié à Lois Lane. Dans son équipement, ouais. pour pas y rester pour de bon, quoi. Ah, oh la vache! Vite fait de Mr. Freeze pendant quelques temps, avant que Batman et Hervé Dent l'arrêtent. Hervé Dent. Hervé Dent. C'est un français. Harvey Dent. Donc il est apparu pour la première fois en 1940. D'accord. Et il fut inspiré en fait de la version cinématographique de 1928 du roman de Victor Hugo, L'homme qui rit. Donc mais également hein, non pas la vache, l'homme. C'est énorme, le Joker inspiré de Victor Hugo. Voilà. Oh, ben, oh putain, alors ça j'aurais jamais. Là, j'ai cherché un peu l'histoire du bouquin, c'est un peu tiré par les cheveux.